Hello mes petites sœurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui je viens ouvrir un nouveau vlog qui sera le 11 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 14 mars. Voilà, je voulais venir faire cette ouverture comme ça pour commencer un nouveau vlog quoi. Et pour mettre les images qui vous allez voir juste après, que j'ai filmé du matin. En fait, ce matin, j'ai été chez Topo Game. Je vous mettrai le site de Facebook et de Instagram en barre d'informations. Allez voir et checker. Ils vendent des cartes Pokémon, des pop, des figurines de toutes sortes. Enfin, ce qu'on a déjà, vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos oh, aujourd'hui c'est la cacaboude. Du manger, des pop-corn, des Kellogg's qui vient de partout, partout. Voilà, les peluches Pokémon, des peluches Disney, les pop surtout. Après, il y a les jeux société, enfin, des jeux, des puzzles. Des jeux Switch, des jeux PS4, PS5, je crois qu'il en a un ou deux, je crois. Voilà, des manettes, d'autres jeux, que je ne sais plus les noms, des t-shirts. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu son magasin. Voilà, tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, moi là, pour le moment, j'ai rien d'autre à vous dire. Je reviendrai. Tantôt, parce que là il est 2 heures, je vous reprendrai peut-être tantôt ou demain matin pour vous parler de ma lecture qui est toujours celle-ci. Voilà, je suis bien avancée, 340. J'aimerais bien essayer de finir ça ce soir, enfin ce soir, fin d'après-midi. Voilà, mais je voulais venir faire l'intro. Et demain, je viendrai vous parler d'autres choses aussi. Je vous parlerai ça demain parce que j'ai vraiment pas envie. On est dimanche, j'ai envie de prendre mon petit après-midi pépère. Je viens de finir de manger, je vais digérer à mon aise, faire quelques montages pour la semaine. Voilà. Et si j'étais occupée à chercher parce que j'avais filmé, vous allez peut-être voir dans le magasin, à un moment, il y a une partie plus petite, courte, mais je sais pas pourquoi la vidéo s'est pas mise droite. Enfin, elle s'est mise droite à la place d'être allongée. Je sais pas pourquoi. Du coup, je viens de chercher pour la remettre de bonne qualité, mais elle va être peut-être un peu plus réduite. J'en suis désolée. Voilà. Et tout ça sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on se retrouve dans la suite pour vous tout de suite et pour moi plus tard. Allez. Player 2 defeated. Congratulations! This game's winner is Kirby!
games. This game's winner is Kirby. Hello mes petites fucioles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog, on est le 15 mars 2021. J'ai cette mèche là, il veut pas se mettre. Voilà, enfin soit. Je voulais vous reprendre parce que hier je vous avais dit que j'avais quelques petits trucs à vous dire. Et c'est en effet le cas, maintenant j'en ai deux. Du coup on va parler de ma lecture terminée. Je suis contente de l'avoir terminé. Comme je vous en ai déjà parlé un petit peu, on va suivre Tristan et sa fille qui est Bria Roche, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, dans son histoire. Du coup, c'est un papa qui a des addictions à l'alcool, à la drogue et aux femmes. Et un jour, on va lui déposer un enfant devant sa porte. Et il va devoir s'en occuper. Lui qui n'est pas du tout un papa comme ça. Enfin, il n'était pas prévu d'être papa tout de suite. Et du coup, on va suivre cette histoire. On suit deux ans après. Il a pris une nounou très sympa, très gentille, tout ça. Qui va s'occuper de sa fille tant que lui il travaille. Lui il travaille, il est tatoueur. Et j'ai adoré de suivre son histoire. En plus on parle de tatouage, des salons qu'il fait. Voilà, c'était top. Et sa nounou qu'il a depuis 5 ans, si je dis pas de bêtises. C'est au début ça, alors du coup voilà, va le laisser tomber, voilà, et du coup il va être à la recherche d'une nouvelle nounou, et l'histoire va commencer juste là, en trouvant une nounou. Il fait passer des castings à plein de nounous, mais le problème c'est que sa fille a un petit, c'est pas un souci, mais on va dire un petit souci pour certains parents, en fait elle est timide, et elle ne parle pas si elle ne connaît pas la personne. Du coup, il veut une nounou assez spéciale dans les lignes, on va dire. Il veut une nounou qui laisse le temps à sa fille de s'ouvrir, de la comprendre sans la brusquer. Et c'est le top. Et en plus, sans être, comme je veux dire ici, je ne fais pas de critiques et tout ça, mais la façon qu'il fait avec sa fille, c'est vraiment ce qu'on devrait faire avec ses enfants. Je parle de la façon, je vais vous expliquer ça maintenant. En fait, quand il veut lui parler de quelque chose de très important ou quoi que ce soit, il se met toujours à son niveau pour lui parler. En regardant, bon moi je suis pas maman vous le savez, mais j'avais entendu déjà plusieurs fois partout comme nounou, je ne sais plus quoi, à la télé, qui s'occupe des enfants des autres, elle est redressée, qu'il faut toujours se mettre au niveau des enfants pour expliquer quoi que ce soit, pour les disputer ou quoi que un truc comme ça, et c'est bon, bien décrit. Franchement, j'ai adoré, voilà, je ne vais plus parler d'autres trucs. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette histoire. Je suis triste d'avoir, de laisser tomber ces deux, ces trois petits personnages trop mignons, trop attachants. J'aurais bien voulu être à la place de la nouvelle nounou.
Franchement, c'est super. Par contre, vers la, c'est les dernières, les 100 dernières pages qu'il y a de la romance. Et là, la romance, elle est assez bien expliquée. Franchement, c'était bien détaillé. Bon, il parle pas des positions et tout ça, mais on comprend ce qu'ils font, quoi. Voilà. Mais il n'y a vraiment pas trop de romance. Et ça, c'était chouette. On a eu vraiment les détails de son boulot, comment il faisait avec ses collègues. On rencontre ses amis de travail, parce que ça devient des amis et de la famille. Voilà. On suit son parcours. Trop chouette. On suit le parcours de la nounou aussi. Parce que la nounou, elle est un peu spéciale, mais qui fait tout son charme surtout. Voilà. Mais l'écriture et enfin, la plume se lit très vite. Pour vous dire, hier, j'ai lu 97 pages. Moi qui lis 20, 50, mais jamais autant de pages sur une. J'ai lu sur ma fin de soirée, enfin, fin d'après-midi, début de soirée. Je l'ai fini hier à 9h30, pour vous dire. J'ai commencé vers 5h, j'ai fini à 9h. Mais j'ai pris mon temps, je vous le dis, hein, parce qu'à un moment. J'ai mis un réveil, j'ai dit, allez, je lis 1 heure, puis je regarde une vidéo, du coup, pour me changer les idées un petit peu, parce que tout le temps concentré, je sais, c'est mon problème. J'ai vite mal aux yeux, en fait, du coup, je faisais 1 heure, je lisais, 1 heure, je faisais une vidéo, et comme ça, bah, j'ai lu mes 97 pages, voilà. Mais je vous le conseille, franchement, c'est une pépite. Voilà. Après, pour ma. Je vais vous parler de celle-ci. Love Dichette. Me demandez pas. L'écriture ne me comprend pas trop bien. C'est de Nina. Whoop, whoop. Voilà, la couverture est trop jolie. Très printemps. Du coup, je pense bientôt me le caser. Il n'est pas très long. Il fait. Ah, oh, super, il n'y a pas de page. Hein. Ah, c'est ce que... 325 pages, je dois aller assez vite. Ce qui est marqué, et qui m'a. Enfin, moi, j'ai regardé plusieurs youtubeuses qui en ont parlé. Et du coup, ma tante est bien. Sera-t-il prête à risquer sa vie pour une fille qu'il connaît à peine? Et ça, franchement, c'est le top. J'ai pas vraiment lu le résumé. Je vous lis ou vous voulez aller voir dans la barre d'informations. Je vais essayer de vous le mettre. Je l'ai pris sur Amazon. Voilà. Amazon, oui, c'est ça. Et alors, la prochaine lecture que j'ai un petit peu triché hier. J'ai lu le prologue. C'est ça? Ouais, le prologue. À partir du 18, dans 3 jours, je vais lire ceci en LC. Avec Kimi Collection et toutes les abonnées de Kimi. Voilà, le faiseur de rêve de Nantin Tung. Voilà, moi j'ai le chez Pulp Fiction. Et voilà, et ça me fait un petit peu ennuyer parce que c'est dans 2 tomes. Le tome en poche sort qu'au mois de mai. Et du coup, ça me fait 2 mois. Mais j'ai pas envie de me taper le grand format qui était à passer 18 euros. J'ai vraiment pas envie. Du coup, on va essayer de attendre et lire le poche. Et attendre le tome 2 en poche. Voilà. Voilà pour ça. Pour la dernière petite chose, hier soir, j'ai commencé un manga qui est la gameuse et son chat, pourtant je sais bien, mais j'adore trop la couverture de chez Doki Doki de Miyataru Nazaki. La couverture est trop jolie. Voilà. Jouer à un jeu, c'est toujours fun, mais avec un chat, c'est encore plus fun. Voilà tout ce que je sais. J'ai lu, je sais pas, il n'y a pas combien de pages, j'ai lu ceci. Voilà, j'ai encore pas mal à lire, mais je pense que je vais me le faire cet après-midi. Il est trop beau, j'adore. Du coup, je vous explique, on va suivre, je sais pas, je sais plus son nom.
Je sais plus son nom. La jeune femme ici, juste ici. Hop, voilà. Les images sont. Les dessins sont surbeaux. Oh, voici la jeune femme qui travaille dans un bureau. Tous ses collègues rouspètent parce qu'elle ne fait pas d'heures supplémentaires. Elle finit à l'heure et elle s'en va, quoi. Elle fait jamais d'heures supplémentaires, elle fait pas une minute de plus. Elle s'en va et tout le monde se demande pourquoi elle s'en va. Alors, il y en a un qui la taquine pour dire « t'es un copain, c'est pour ça que tu pars, c'est tout ». Mais non, en fait, c'est juste une compulsive pour jouer. Du coup, elle s'en va à l'heure, elle rentre, elle se change, enfin, elle se change, c'est ce qu'elle dit, elle se change et elle se fout, elle se met à son aise, un training, un t-shirt sur les dessins, c'est ce qui sait. Et elle se met à jouer et un jour... dans l'entreprise, ils ont découvert un petit chat tout mignon, ben, vous le voyez là, dans un carton. Et je crois que c'est le chef, demande qui veut recueillir son petit chat. Et du coup, il passe à tous les bureaux, comme on voit, et tout le monde dit, ils ont tous un truc en fait. Non, ma femme, elle est si. Je suis allergique, l'eau c'est si, etc. Et elle voit sa bouille trop mignonne, et elle dit oui, je le prends. Mais elle connaît rien en chat, elle ne sait pas comment il faut faire, et voilà. Et du coup, ben, l'histoire va commencer, et c'est là que je suis arrivée, et que je ne vais pas vous dire plus pour le moment. Du coup, je vais continuer ça, et en plus, le tome 2 est sorti ce mois-ci, du coup, voilà. Voilà. Maintenant, moi je vais plus trop vous traîner parce que là j'ai à 9h, il est 8h40, à 9h on vient me chercher. Je vais aller prendre mes rendez-vous. Oui, ça je vous ai pas dit aussi. J'ai eu rendez-vous avec le spécialiste. Je vais dire comme ça sera plus facile pour moi. Le spécialiste de tout ce qui est articulation et tout ça pour mon genou. Et j'ai une déchirure à la rotule, voilà. Du coup, je dois faire une IRM et l'autre, c'est je ne sais pas quoi le nom, je sais pas lire le papier. Et le gars, le monsieur m'a pas, il m'a dit que ça ressemblait à une IRM aussi, mais j'ai l'impression d'avoir un truc qui clignote. Ça ressemble à une IRM aussi. Bon, maintenant, comme je ne sais pas lire, je sais pas prendre rendez-vous par téléphone. Du coup, en essayant de lire avec toute ma famille samedi, on pense que c'est une géométrie. Je sais pas, on a regardé sur internet, ça existe. Du genou, ça peut être une. Je sais plus. Enfin, soit c'est tellement de long que voilà, je ne sais plus. Voilà, maintenant, je vais prendre mes rendez-vous, je verrai bien. Et quoi. C'est tout? Oui, c'est tout. Voilà. Et je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous montrer, enfin, ben pour continuer déjà ça. Et peut-être que je vous aurai, je sais pas, j'hésite aujourd'hui de descendre en ville. Mais si je descends en ville, si monsieur l'apprend, je me fais. Voilà, parce que j'aimerais bien aller chercher le livre que je vous avais parlé, que j'ai pas su vous mettre. J'ai complètement oublié de vous mettre dans le vlog précédent, je pense. Je crois que c'est dans le vlog précédent que je vous en ai parlé. Ah non, c'est ici. Je ne sais plus, enfin, soit. Il y a un livre ou deux qui m'intéresserait bien. Et du coup, voilà. Je peux vous redire le titre si vous voulez. Mais il y en a un que je sais plus le nom. Je peux. C'est celui-là. Dit grâce. Si vous voulez, je peux. Ah, mais ça, je peux déjà supprimer. Si vous voulez, je peux vous montrer. Attendez, je vais faire tourner la caméra. Voilà ce que je voudrais bien. C'est celui-là, Disgrâce de Brittany chez Chéri. Oh, je vous vois, la couverture est trop belle chez Hugo Poche. Voilà, dans la collection Nous Romance, je crois que c'est ça. Et le deuxième, c'est celui-ci qui vient de sortir. Celui-là, vous l'avez, je viens de l'avoir. Mais je fais pour supprimer. Hop, voilà. Et hop,
chez Pocket Jeunesse, c'est celui-là qui me tente bien, Brigue. Voilà, si vous voulez, je vous mets un petit peu le résumé juste ici. Hop. Je sais pas si vous avez vraiment tout voir. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était plus beau en anglais. Mais on va faire avec. Voilà. Si j'ai bien compris le... Attendez, je vous reviens. Facecam. Je suis revenue. En fait, celui que je vous ai montré là, le dernier. On va, c'est en fait l'histoire de deux adolescents qui sont nés en même temps. Ils ont 18 ans jour pour jour et ils vont 18 ans pour se découvrir. Il reste que à aimer. Eric et Morgan sont nés le même jour dans le même hôpital. Ils sont meilleurs amis depuis toujours, mais à mesure qu'ils grandissent, leurs secrets séparent Morgan est mal dans sa peau. Il ne sent pas garçon. Erin ne s'affirme pas et peur de déclarer que son père Trisanic, sur deux change de se soutenir. Voilà, je sais qu'on va parler un peu de plein de trucs. Là aussi, je crois que j'avais mis dans mon... J'ai le tome 1, pas le tome 2 dans ma... Bon, je parle toute seule, c'est pas grave. Voilà, c'est les deux qui me tentaient bien. Je crois qu'il y avait un autre, mais je ne sais pas. Mais non, j'hésite d'Idras, de l'attendre un an et l'avoir en poche ou de l'acheter en grand format et de le lire. Voilà, il y a aussi l'année après toi qui me tentait bien. Ça, c'est en poche. Ouais, je crois que c'était plus ou moins les deux, enfin les trois, l'année après toi qui me tentait vraiment bien. Après, j'aimerais bien, mais ça, ce sera peut-être pour après, parce que là, je vois que celui-là est encore cher. Je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti. C'était T'as qu'à maigrir. De, je ne sais pas quoi le nom parce que je ne sais pas lire. C'est qui Mogara. Mogara. Aux éditions, je ne sais pas quoi. Il n'est pas marqué. Il y a le tome 1 et tome 2. Ah oui, il y avait celui-là là. C'est Regretta. Regretta. De Colleen Hoover qui est sorti le 4 février. Du coup, voilà, celui qui me tentait bien aussi. Du coup, ça me fait 3. Celui-là est en gratuit. Hein? Allez, hop, c'est parti. Voilà. Voilà, du coup, je ne sais pas. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. On se retrouve plus tard parce que là il est 50. On va plus traîner à venir me chercher. Moi je vous fais des bisous. On se retrouve plus tard dans la vidéo. Bisous tout le monde. Re-coucou, je reviens. On est toujours lundi 15 mars et je voulais vous montrer quelques petits trucs. Je chope d'abord. Voilà. Alors, je me suis pris quelques trucs. Je me suis pris un bullet journal avec plein de petits pandas. J'adore les pandas surtout. Voilà, c'est des petits points dedans. Hop. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être regarder pour refaire mon bullet journal. Je sais pas. On verra bien où je le garde pour l'année prochaine. Je me suis pris des petits tampons comme ceci. Avec des pandas. Il y a une libellule, un papillon. Je me suis dit pourquoi pas pour le bullet journal, ça peut être bien. Et en plus, la petite boîte. Oui, on voit. Vous voyez les petits. Hop. Hop. Ah oui, c'est. Vous avez. Je suppose que l'encre. L'encre. Il y avait un petit toit. Et alors, vous avez le petit panda juste là. Vous avez l'autre côté. Hein. Là, vous avez un poda. Hop, comme ceci. Je ferme en même temps. Vous avez un autre petit panda. Hop.
Puis vous avez, ça c'est un autre panda qui mange. Hop. Là, c'est un petit oiseau. Et là, on a un papillon et une petite libellule. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Du coup, voilà. Bon, ça qui veut pas s'ouvrir. Après, je me suis pris un petit bic qui a l'air trop mignon avec un petit panda comme ceci. Ça s'ouvre, hop, c'est une petite boîte. Hop, j'aime bien la boîte surtout. Ça peut servir. Je vous montre la tête du panda. Voilà, et c'est un bic qui tourne. Hop. Par contre, je sais pas quelle couleur il écrit. Il écrit noir. Voilà. Donc ça, je jetterai après. Alors. Après, je me suis pris. Ensuite, par contre, il n'y a pas de boîte, ça c'est plus embêtant. Des petites lettres comme ceci, hop, pour mon bullet journal aussi. Comme ça, je pourrais faire des petites impressions avec les lettres. Vous voyez, hop, ce sera trop chouette. Ce sera beaucoup mieux. Je vais essayer ça pour le mois d'avril. Hop. Par contre, là, il n'y a pas une boîte, c'est juste une bête en carton, un truc en plastique. Ça, c'est plus embêtant. Alors, je trouve une petite boîte pour les mettre dedans. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Le ticket. Et puis, je me suis pris quatre petits livres. Quatre petits. Quatre petits, quoi. Voilà. J'ai plus de place. C'est pas grave. Hop, comme d'hab, hein, on se fait de la place en vitesse. Hop, je vais mettre ça là. Ça va là. Moi, je jette ça. Ça aussi. Ça. Je mets dans ma petite poubelle. Il faut que je la vide. Hop. Ça, on va mettre derrière. Du coup, je vais vous présenter ceci. Je suis trop contente. Je me suis pris le lien. Tamara Force, c'est comment? Forney. Il y avait un moment que je l'avais vu, mais à chaque fois il était en rupture de stock. Du coup là il était, et du coup je me suis procuré. Et tout qui bouge. C'est écrit petit et fort. Voilà. Je ne sais plus de quoi ça parle pour. Il n'avait absolument rien en commun. Pour Luc, depuis la mort de sa sœur, l'amour en suspens. De perdre de la douleur, il est déterminé à ne laisser entrer personne dans sa vie jusqu'au dernier et une attitude de femme libérée, cachée un petit cœur romantique et croise aux histoires d'amour avec un wak, je sais pas quoi là. Dès les premières rencontres, un désir inappréciable d'une grande entre eux. Ce sera du sec et rien d'autre, il était d'accord, mais parfois il suffit d'un petit grain de sable pour que votre vie soit complètement chamboulée. Surtout que ce petit grain de sable se constitue par la venue d'un bébé et crée un lien indestructible, j'ai tout qui bouge, entre deux personnes comme comment s'en sortirait-il? Voilà, il est trop beau et c'est de chez Hugo Roman dans la collection Nous Romaines. Voilà, il est trop beau, beau, beau. Après, j'ai craqué, il fallait celui-là. Mais celui-là, je pense que je vais le commencer. C'est celui que je voulais absolument. J'ai maman qui.
Instagram, regrette love chez Hugo Roman, de la collection New Roman, et c'est Colleen Hoover. Tout le monde aime bien cette autrice. Alors, j'ai le soleil qui apparaît, puis il disparaît. Vous voyez, j'ai le soleil, j'essaie de ne pas me faire éblouir. Mais voilà, un peu plus de lumière. Il est trop beau. Il est simple, mais beau. Du coup, ce que ça donne, Morgan. Morgan. Gant, ouais. Est devenue mère. Morgane, alors. Morgane. Est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie. Un mariage plus rapide qu'elle n'avait envisagé avec le père de Clara, sa petite fille, et une vie de femme. Avec au foyer maintenant que Clara est presque 17 ans, l'âge qu'elle avait alors qu'elle est tombée enceinte. Morgane s'interroge sur le choix de et choix. Et sur la femme qu'elle est devenue, son mari, sa sœur Jenny, et même Clara la trouve un peu effacée, ordinaire, prévisible. Clara est l'ombre de sa vie amoureuse d'un adulte. Elle voudrait venir actrice et très attirée par les arts. Zarmil, c'est je vais boire un coup. Attendez, je bois un coup. Ah, c'est mieux. Ah, tout qui tombe. J'étais où? Sécurité, c'est et mystère. Ses rêves comme des confidences. Elle préfère les partager avec tante Jenny, plutôt qu'à sa mère. Donc elle sent très différente. Mais tout va explorer. Lorsque son père est victime d'un accident, la tragédie inacceptable, la mère et la fille va également bouleverser leur conversion de la relation qu'elles ont l'un pour l'autre, comme faire face à la cruauté réalisée sans doute en effronçant les deux et en appuyant sur l'amour qu'elles se portent malgré toutes leurs différences. Ça peut être pas mal, hein? Alors, le deuxième que je voulais absolument, c'est celui-là. Je suis contente de l'avoir. Voilà. Voilà. Je sais même pas si c'est pas celui-là que j'ai envie de lire en premier. Du coup, je veux dire, Erin et Morgan sont nés le même jour dans le même hôpital. Ils sont les meilleurs amis depuis toujours, mais en mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les séparent. Morgan est mal dans sa peau, ne se sent pas garçon. Erin ne s'affiche pas et peur de déclarer à son père trisamique. Tous deux changés, ils se tenaient pour se séparant. Préviendront-ils à se retrouver? Mais c'est chez Pocket Jeunesse, c'est Pocket Jeunesse et c'est Merdi Rousse. Voilà. Et ça va se lire assez vite. Je sais pas combien de pages il fait. 300. 325. Ouais. Et alors, le dernier que je voulais absolument. Oh, je suis trop contente de l'avoir aussi, celui-là. Je crois qu'ils vont pas faire long feu. Alors, c'est 10 crases de chérie, chez Hugo Roman, dans la collection Non Romane. Tout ce que je voudrais, c'est qu'elle me revienne. Il est trop beau en plus. Alors, après une dizaine d'années de vie commune, mon mari m'a quittée pour une autre. Je ne sais pas comment je pourrais exister sans lui à mes côtés. Tant que je voudrais être
J'étais qu'il me revient alors que Jackson est parvenu sur ma route. Il n'était pas censé être autre chose qu'il file l'été, un moyen de me changer les idées et de restaurer la confiance de mon cœur. Mourtir, nous étions parfaits l'un pour l'autre, pour nous savions tous les deux que notre histoire ne serait pas. Jack n'était pas un adepte de l'engagement. Je n'avais cessé de croire à l'amour. Tout allait bien jusqu'à ce neveu soir où mon cœur a sauté un battement. Je n'ai pas préparé à ce qu'il fasse rire, ni réfléchir, ni qu'il efface la tristesse. Quand vient le temps de nous séparer, mon cœur ne sait pas comment répondre. Petit à petit, mon mari, objet de méprise, commençait à désirer vers l'homme qui n'était pas fait pour moi. Je craignais qu'il ne sourie encore une fois, qu'il m'embrasse encore une fois, qu'il me fasse rire encore une fois, qu'il me touche encore une fois. Je pria pour qu'il soit à moi, même si je savais que mon cœur n'était pas pour l'amour. Voilà pour celui-là. Il a l'air aussi pas mal. J'ai une chaise, pas possible. Je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. Voilà. Voilà pour mes quatre petites. Voilà. Et vous n'avez pas vu la plus belle des merveilles. C'est celle-là. Ça c'est la plus belle des merveilles. Ça, c'est ma plus belle des merveilles. Et coucou aux abonnés. Coucou les abonnés à ma maman. Je m'appelle Zoé. Je suis Miss Calounet. Et j'aime bien coller ma maman. Je suis pas loin de ma maman, tout le fois. Coucou tout le monde. Voilà. Oh. Voilà, j'ai pas encore lu, j'ai juste fait ça. J'étais prendre mes rendez-vous à l'hôpital et puis j'étais vite un petit peu en ville et je suis revenue. J'ai mangé et me voilà pour vous présenter tout ça. Maintenant, je vais ranger tout ça. Voilà. Voilà. Et j'ai Facebook qui déconne. Enfin, c'est mon PC qui déconne, je crois, on dirait. Moi, j'ai. Je dois me regarder une petite vidéo et essayer de lire un petit peu. Voilà. Oh, ça va pas là. Ça se remet là. Il faut. Ah ouais, j'ai mis sur Insta ma lecture d'hier. J'aimerais bien continuer mon autre lecture qui est là. Celle-ci, je commence. Je crois que je vais lire ça un petit peu après. Il n'y a pas beaucoup, ça va aller vite. Et je vous en parlerai. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard dans ce vlog. Bonjour ma petite Lucie, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mardi 16, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus comment on vit. Oui, c'est ça. On est mardi 16. J'avais l'impression qu'on était mercredi, mais non, on est mardi. Comme les jours passent vite, du coup, je ne sais plus comment je vis. Je voulais vous parler. Pour le moment, je suis en train de lire sur ma Kindle la véritable histoire du Père Noël. J'essaierai de vous insérer une image ici de la. Par contre, je ne sais plus qui elle écrit, c'est de chez Michel Lafon et c'est de Marco Lano, je crois.
Voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais j'essaierai de vous le mettre là. Je suis à 60%, j'aimerais bien terminer ça parce que je le traîne depuis un moment. Voilà, voilà, parce que je l'ai depuis un moment. Et après, je sais pas, après, ben, jeudi, je commence la lecture de Le Faiseur de rêve que j'ai lu le prélogue. Voilà, mais ici j'ai plein de lectures que j'aimerais bien me faire. Il y a La Belle Apprentice. Il y a un truc des McGreen, mais je ne sais plus. En attente, téléchargement. Ah ouais, d'accord. Ils sont pas encore remis. Je ne sais pas quoi lire après ça. Alors j'ai aussi, il était gratuit si vous avez si vous avez Amazon et si vous avez l'application pour la Kindle, il y avait les McCoy le tome 1 gratuit. J'en ai téléchargé plus d'un gratuit, du coup ils sont dans ma liste à lire. Mais c'est vrai que je pense pas toujours à ma Kindle. Voilà. À aller voir dessus. Mais si j'aimerais bien finir l'histoire du Père Noël. Mais non. Du coup, voilà. Ah oui, c'est l'intégrale de. Je sais pas combien de trucs il y a. Des mâts. Y a ma quoi? Je sais pas les lire. Toi et moi, toi plus moi. Et l'autre, je sais pas c'est quoi. C'est un intégral. Toi et moi, une rencontre à l'autre. De Emma M. Gray. Qui a l'air pas mal. En plusieurs volumes. Voilà. Mais. C'est pas ce qui me tente là maintenant. Je pense que je vais quand même finir l'histoire du Père Noël. Voilà. Je pense que demain je vais conclure le vlog. Demain on sera mercredi. Je ne sais pas possible. Parce que j'aimerais bien essayer de faire juste un vlog. Mais ça vous l'aurez pas tout de suite. Parce que la LCD, enfin LC, finit le 30 fin du mois. Du coup, je pense vous faire un. Dès que j'ai lu ma partie, c'est 50 pages tous les jours. Du coup, je pense vous reprendre tous les jours et vous parler un petit peu de mon. De ce que j'attends. Surtout que c'est pas mon genre de lecture. Du coup, voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi. J'ai lu La Gameuse et son chat. Je vous ai pas repris hier pour ça. J'essaierai de vous reprendre après pour ça. Voilà. Mais j'aimerais bien me plonger et voir parce que tout le monde en parle et il a l'air, tout le monde dit qu'il est chouette. Du coup, voilà, j'ai envie vraiment de me plonger dedans. Mais j'hésite, en fait, j'ai envie de le commencer. Tellement que, ouais. Mais je voudrais bien terminer aussi la véritable. Surtout que je suis à 90%, que voilà, il m'en reste plus des masses. Je sais pas combien il y a de chapitres. Je vais aller voir après combien de chapitres il y a. Et combien de pourcents pour une candle? Voilà. Enfin. Ouais, combien de chapitres qui me reste? Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose à part du ménage. Voilà. Et comme il est déjà à 3h45, voilà. J'ai fait du ménage, du rangement. Demain matin, je vais essayer de me lever plus tôt qu'aujourd'hui. J'ai ma chest, pas possible. Et puis j'ai mon papa qui est à l'hôpital. Du coup, voilà, je suis pas dans mon assiette. Enfin, si, je suis dans mon assiette, mais voilà, j'ai d'autres trucs qui me perturbent. Du coup, voilà. Comment faire vous dire moi, à part du nettoyage aujourd'hui, enfin, du rangement, un nettoyage de litière, voilà quoi, ma brûle de normalement, de
Voilà. Mais demain, j'aimerais bien donner un gros coup de torchon dans tout mon appart. Comme ça sera fait, je serai tranquille. Le seul truc qui me restera, c'est faire un mini poussière que je voudrais bien faire là-bas. Mais j'ai pas le courage pour le moment. Voilà, mon dîner est prêt. Enfin, il n'y a plus qu'à le cuire. Je vais faire du riz avec la sauce aigre douce et de la viande, je sais plus c'est quoi. Un sauté de porc, je pense que c'est. Voilà, m'occuper de mes bébés après, leur donner à manger. Voilà, ici, j'attends monsieur, il finit à 4h30. Vers 5h, il sera là. On fera à manger et après, je regarderai ici tout commence, qui commence à 6h30. Et puis demain nous appartient, c'est 7h ou 7h30, je sais jamais l'heure exactement. Voilà de ça. Et oups, vous voyez, regardez, mais toum toum là, toum 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 toum. Voilà, et ma rallonge que c'est pas beau. Là, c'est la nouvelle lampe qui est là, qui éclaire bien, c'est mieux que celle que j'avais là, la toute petite, qui éclairait juste. C'est pour ça que vous avez, mais. Elle fait tout le tour de mon truc et elle descend juste là. C'est pour ça que vous avez un petit peu là. C'est pour ça que la tâche est là, vous voyez. Hop, hop, hop. Elle est par là. C'est pour ça que c'est le flash. Ouais. Mais sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous reprendrai plus tard. Si pas demain pour vous parler de la gameuse et son chat. Voilà. Et en plus hier en allant, j'ai appris. Enfin. Excusez-moi de me gratter, mais j'ai un bouton là et j'essaie de l'avoir de deux côtés. Hier, quand mon copain, mon chéri a eu fini, on a été refaire sa clé de la porte en bas parce qu'il l'avait. Elle s'est cassée. Du coup, voilà, on a été la réparer. Et en même temps, il y a un grand carrefour juste à. Enfin. On a fait dans le grand carrefour sa clé. Et moi j'ai dû faire un tour dans le rayon livres, comme ils ont pas mal de livres. Mais il y en avait un ou deux qui me plaisaient, mais je ne les ai pas pris. C'était raisonnable. Mais j'ai juste pris un livre qui est un manga et c'est monsieur qui me l'a offert. Du coup, c'est la Gameuse et son chat, tome 2. Et si j'ai bien dit pas de bêtises, il y a tome et ainsi dit tome. Du coup, voilà, il y aura le deuxième qui est sorti ici il n'y a pas longtemps. Voilà, il faudra que j'attende les autres. Mais pour le moment, j'aime bien. Mais je vous en parlerai après ça. Voilà. J'ai mes bébés qui s'éternuent. Mais ça, je vous en parlerai après. Voilà, c'est normal, j'avais pas de. J'avais coupé. Enfin, j'avais diminué le chauffage hier. Et comme de la journée, j'ai bougé, j'ai pas fait trop attention. Mais aujourd'hui, enfin, non, oh, un coup de pompe. J'ai un coup de pompe depuis tantôt. Et à maintenant, j'ai un peu froid, c'est pour ça que j'ai mon. Voilà. Si vous voyez, j'ai le même t-shirt. C'est normal, je l'ai vite foutu pour moi faire ce que j'avais à faire. Voilà. Hier, je ne l'ai pas mis longtemps. Ah, si, j'ai mis toute la journée hier. C'est vrai. Je suis bien. Ouais, ici, je l'ai mis comme ça en me levant. J'ai retiré la blouse de pyjama et j'ai vite mis ça pour faire ce que j'avais à faire. Je me dis, oh et merde, c'est bon pour faire les crashs chez moi, poussière et tout ça. Voilà, sur tous les lits de chair, quand ça fait la poussière, c'est chiant. J'éternue toujours, moi, quand je l'ai fait. Bon, sur ça, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Ce soir ou demain, je sais pas. Je conclue. C'est sûr que demain je conclue le vlog. Ce sera dans l'après-midi et j'ouvrirai jeudi un nouveau vlog pour vous parler de la nouvelle lecture qui sera un LC et il y aura que ça dans ce vlog, un LC de la faiseuse de rêve. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve plus tard. Hello! Mes petites et je vous reprends dans ce vlog. On est mercredi 17 mars 2021. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Je viens de tourner deux vidéos. Je viens de recevoir ma Woobox. Pourquoi j'ai toujours Woobox? J'ai un problème. Il faut que je soigne mon cerveau.
le petit colis de Mars. Du coup, voilà, je viens de l'ouvrir. Et en même temps, il y a une nouveauté aujourd'hui qui sort. Et je voulais vous la montrer dans ce vlog. Et du coup, c'est... je suis trop contente, c'est une pipite. Du coup, c'est ici un joyeux non anniversaire. C'est Alice. Et si Alice était très 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 en retard pour sauver le monde imaginaire, voilà, je viens de le recevoir. Il sort aujourd'hui. Je vous retire, regardez ça, l'étang du chouchouia. Voilà, c'était un twistel. C'est ça, un twistel. Voilà. Je suis toujours pas lu les autres. Pourtant, il faudrait bien. Mais ça a l'air une bricasse. Il fait combien de pages? Ah oui, quand même. 400 et quelque chose. 467. Enfin, 69, c'est les remerciements, mais voilà. Et du coup, je les ai tous maintenant avec la nouvelle sortie. Voilà. Et toujours pas lu. Pourtant, il faudrait bien que je m'y mette. Mais je ne sais pas s'il faut les lire dans l'ordre. Il faut que je regarde encore. Je voulais que je vous lise la quatrième de couverture ou pas? Oui, allez, on va lire la quatrième de couverture. Et si Alice était très très en retard pour sauver le pays imaginaire? Alice est très différente des autres jeunes filles de 18 ans de Casfort. Elle préfère longuement passer ses après-midi chez son passer ses après-midi avec son appareil photo et les enfants jouant au parc. Autant de dans le salon animé de sa tante Viviane. Plutôt que de recevoir les invités ou faire des borderies, elle souhaite également en savoir plus sur le jeune avocat qu'elle vient de rencontrer. Mais juste parce qu'elle est rusue. Ça, c'est long de faire plein de vidéos en même temps. Rusisse. Bien sûr, parce qu'elle est gentille et charmante. Mais quand Alice développe les dernières photos qu'elle a prises, elle a pris de ses voisins, les visages surgis du passé, apparaissant à la place de ses sujets. Habituellement, la reine de cœur, le chapelier fou, la chenille, et à la place de son autoportrait, Alice finit par tomber son image la plus dérangée à tous. La jeune fille au charme noir, imprimant des blessures, appelant à l'aide. Revenant sur le lieu, plein de non-sens, ses enfants, Alice a pour mission d'arrêter de régner tristement sur la reine de cœur et elle trouvera à sa place dans les deux mondes, mais pourra-t-elle le faire? Mais la fin du temps. Et c'est de chez Hachette Héros. Voilà, mais il est trop beau, trop beau, trop beau. Il va trop bien aller dans une. En plus, avec le. Et je l'ai commandé sur Amazon. Je sais que voilà beaucoup de râle, mais moi, je n'avais pas le temps d'aller au magasin. Et voilà. Je l'ai préco en fait. Voilà. Mais il me tombe bien. Mais c'est une bricasse, quoi. Une bricasse. Une petite bricasse. Voilà. Alors, ce que je peux vous parler d'autre. Hier, mais je sais pas où il est. Dans tout ce bordel, c'est parce que vous voyez un là. J'ai lu, j'ai continué un petit peu Grimandi, chère mamie au pays du confinement, chez le livre de poche. Voici, j'ai continué ça. J'avais commencé
J'avais déjà commencé depuis un moment, mais je m'arrête toujours pour aller lire autre chose. Mais ici, comme on a une LC qui commence demain, du coup, je me suis dit, on va continuer à lire ça. Je suis à 64 pages. J'aimerais essayer de le terminer. Voilà. Bon, je ne le terminerai pas aujourd'hui parce que je sais pas combien de pages il fait. Je sais pas. Deux cent quatorze. Pourquoi 4? Ouh là là, il faut que j'arrête, je suis fatiguée moi. Je vais aller dormir. Ouais. 214. Ouais. Et je suis à 64. Encore pas mal. Ouais, voilà. Voilà. Mais je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai lu aussi sur ma liseuse qui est là-bas. Du coup, je voulais pas. Il faudrait que j'essaye de vous insérer. J'ai continué un petit peu l'histoire. La véritable histoire du Père Noël. C'est une histoire pas mal. J'aime bien. Maintenant que je n'ai pas terminé, je suis à 60% de ma lecture. Désolée, je vais boire un coup. Mal ma gorge. À 60% de ma lecture. J'aimerais aussi le terminer. Mais comme demain on part en LC. Du coup, voilà. Sur la faucheuse de rêve et tout, j'ai mon marque-page, j'ai déjà mis, voilà, mon petit papier avec les pages qu'on va lire. Voilà, du coup, je suis prête, je suis prête, je suis prête pour, je vous mets en lien si vous voulez, si je n'oublie pas. De toute façon, je vais faire le montage de ça après, pour continuer à mettre dans le vlog, ce que je fais au fur et à mesure quand je sais le vlog. Du coup, voilà, je vais vous mettre en... J'essaierai de vous mettre la chaîne de Kimi Collection qui fait elle, le LCD. Mais elle le fait ça sur Discord. Mais ça, je ne ferai pas vous le mettre en barre d'infos. Parce que... Comment dire? C'est vraiment à elle. Du coup, je ne sais pas vous donner le lien de Discord. Mais c'est Kimi Collection. Vous allez sur sa chaîne, c'est Kimi Collection aussi, ou sur Instagram, c'est Kimi Collection. J'y vais essayer d'y penser et le mettre dans la barre d'infos. Si j'oublie que vous voulez vraiment, faites-moi un message et je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Des fois, je suis blonde, voilà. Du coup, voilà. Je sais pas si je coupe le vlog là maintenant ou j'attends encore un petit peu. De toute façon, aujourd'hui, à part. Il faudrait que je lisse un peu. Mais voilà, je sais pas quoi lire. J'ai juste lu ce rêve, le prologue. J'ai peur de pas m'attacher, prologue, ouais. J'ai peur de pas m'intégrer vraiment dans cette histoire. Bon, on va aller déjà aller jusqu'à une centaine de pages. Et si ça va pas, ben, à ce moment-là, j'arrêterai et je lirai autre chose. Je vais faire aussi une pile à livres, plutôt une pioche à livres. Je viens de voir ça chez je sais plus qui. Et c'est vrai que ça donnerait. C'est une bonne idée que je puisse faire ça. Faire une pile à livres, mais pour piocher dedans, avec les livres que j'ai très très envie de lire. Pour vous montrer encore en plus les livres que j'ai, comme ça, voilà. Et c'est une bonne idée. Mais voilà, je sais pas si ça vous dirait, mais moi j'ai envie de faire ça. Du coup, je pense faire ça pour le mois d'avril. Mais enfin, aussi, on n'est que le 17, j'ai encore le temps de réfléchir pour ce que je vais mettre. Du coup, voilà. Mais j'en ai déjà deux, trois que je voudrais bien mettre dedans. Hein. Alors, je vais faire, je sais pas combien de semaines. Je vais mettre deux par semaine, par exemple. Mois d'avril, il y a... 1, 2, 3, 4 semaines. Je vais mettre 2, 4, 6, 8, oui, 10 livres dedans et pas plus quoi. Comme ça, ce sera la top. Voilà. Je pense que ce sera mieux que de mettre plein de livres. Voilà. Je sais pas ce que ça vous en dit. Voilà, il est 11h30, il n'y a pas longtemps que je suis levée, je suis déjà fatiguée. Je pense que je vais continuer un peu à lire ça.
À partir de demain, je voudrais bien faire. Enfin, je vais faire deux vlogs. Enfin, je pense pas vous reprendre pour un vlog pour la semaine. Je penserai le reprendre plutôt vendredi ou samedi matin. Ça dépendra quand. Normalement, monsieur m'a dit qu'il voulait travailler samedi. Du coup, je vous prendrai peut-être samedi pour le vlog du week-end. Mais pour la LC de le livre que je vous ai dit, je voudrais prendre un autre vlog, enfin faire un autre vlog pour concentrer que à cette lecture. Ce sera le vlog lecture LC de ce livre. Ce serait pas mal, je pense. Je sais pas si vous en pensez. Comme ça, je parlerai tous les jours après avoir lu ma partie. Parce que c'est une petite, je pense que c'est 50 pages, plus ou moins, qu'on peut lire. Le premier jour, c'est aller jusque la page 51. On commence le 18, hein, c'est demain. 51 pour demain. Le 19, 100 pa 103 pages. Le 20, 147 pages. Ah là, il y a un peu, non, il y a un peu moins. Enfin, non, c'est bon. Le 21, 204. Le 22, 254, 3. Je suis fatiguée. Du coup, ça, c'est 3, le premier, c'est 3 chapitres, 9 chapitres, 17 chapitres et 23 chapitres. Le 22, c'est 28 chapitres à partir du 28 chapitres. 253. Et puis, voilà, quoi, ça continue. Normalement, c'est jusqu'à chaque fois le chapitre. Voilà. Maintenant, je vais... Surtout que celui-là s'écrit tout petit. Moi, je l'ai en poche. Du coup, c'est un peu emmerdant. J'aurais dû prendre le brochet. Voilà. Mais ça, je ne savais pas. Ici, je vais lire en poche. Et si j'aime bien, à ce moment, je me procurerai le tome 2 en brochet. Et par après, je vendrai celui-là. Et je prendrai le tome 1 en brochet. Si c'est vraiment un coup de cœur, ou sinon, je vais déjà voir ce que ça en pense. Parce que j'ai pas le tome 2 dans celui-là. Je l'ai vu quand j'ai été, mais j'avais peur de pas aimer. Du coup, je me dis non, je vais pas le prendre. Si j'ai vraiment envie, début du mois, à ce moment-là, j'irai me le prendre. J'ai vu qu'il était chez Molière en brochet. Parce que le poche, il sort que le 20. Je peux vous dire ça tout de suite. La sortie de le. C'est fait, je sais jamais le dire correctement, de rêve avec S en poche, le tome 2. Pourquoi je mets S à tome 2? Je suis blonde. Voilà, en poche, il sort. J'ai dit en poche. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est le tome 1. C'est ça? Le cauchemar? Non. Bah, c'est le tome 2. Attends, je fais, sinon ça va pas. Comment? Le voilà, c'est que moi j'ai. Hop. Alors, rentrer. Ajouter. En cours. C'est pas dans ça. Allez, recule. Quand vous voulez chercher un truc et que vous tombez jamais sur le bon truc. Allez. En plus, j'ai internet qui est lent comme tout. Je veux savoir quand il sort en poche. Je l'ai vu en plus l'autre fois. Ah, la Fnac. En poche. Le 6 mai, qui sort en poche, le tome 2. Voilà, il me semble bien là. Sur la fenêtre, il est. C'est pour ça. Il sort le 6 mai. Du coup, ça fait quand même avril, mai. Je sais pas si j'attendrai 2 mois, si j'aime bien le livre, quoi. Je sais pas. En plus, celui-ci, je l'ai abîmé là. J'ai croqué la page. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je continue en poche ou je les reprends en brochet? Il est quand même à 16 euros. Et le tome 1, je ne sais plus. On va faire
On va faire copier-coller, hop. Hop, ça c'est plus facile, hein, copier-coller. Il est à 16 euros. À 16 euros. Et celui-là, il est à 9. C'est pour ça que je l'avais pris. Enfin, 10 euros, 9,99. Voilà. Mais il est quand même à 16 euros les deux, quoi. Ça me fait quand même. J'ai quand même 6 euros. Ça me fait quand même 16. Ah, 2. 6, 6, 6, 12. Ça me fait 12 euros d'économiser en prenant en poche, quoi. Voilà. Du coup, je ne sais pas. Voilà. N'oublie pas, allez voir ma vidéo qui est sortie aujourd'hui, mercredi. C'était le vlog sur Paris d'Aïsa. J'espère qu'il vous plaira. Pour le moment, j'ai 4 vues et un petit message. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu aussi. Je pense que faire le vlog de la lecture du Foreuse de Lèvres, je le mettrai aussi comme ça en jour de semaine. Il sera peut-être long, c'est juste ça. Mais à part ça, pourquoi pas, je pense faire ça. Maintenant, je sais pas. Du coup, je pense que je vais couper ce vlog là maintenant. Il est assez long. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Parce qu'il sera petit, parce que je vous ai pris du samedi au mercredi. Du coup, voilà. Bon, du coup, je vais conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de vous abonner. Allez voir les petites vidéos que je vous insère là à la fin. La petite fée clochette, là, vous cliquez dessus pour vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce sera demain pour le LC. Mais enfin, vous, je ne sais pas quand elle sera mise en ligne. Ce sera Ce sera début de mois d'avril que vous aurez le vlog lecture. Voilà. Je vous laisse et je vous fais des gros bisous.